Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue et je vous propose un programme libre selon l'humeur du moment. Évidemment, j'ai prévu deux, trois petites choses quand même. Et j'aimerais commencer par une tradition perdue chez nous, les pianistes dits classiques. Je dis bien dits classiques, puisque comme chacun sait, la musique classique, ce n'est pas uniquement la musique classique. C'est la musique ancienne, baroque, classique, romantique, impressionniste, etc. Contemporaine même pour ceux qui aiment. Et cette tradition de l'improvisation, justement, a été perdue chez nous. Elle n'a perduré qu'auprès des pianistes de jazz et les organistes. Vous savez que Liszt, Chopin étaient de grands improvisateurs, et avant eux, Mozart, Beethoven, Bach, etc. Donc je vais improviser pour vous sur des thèmes qui me passeront par la tête. Il se peut que ce soit des thèmes d'opéra ou des thèmes symphoniques ou des thèmes originaux qui seront créés sur le moment. Je vous remercie. Thank you.
Merci. Nous allons maintenant passer à la période classique viennoise avec le grand Schubert. Vous savez que Schubert est mort à l'âge de 31 ans et il a composé un nombre phénoménal d'œuvres, surtout vers la fin de sa vie. Et j'ai choisi pour vous ce sublime Klavierstück, en allemand, donc en français, pièce pour piano, Klavierstück numéro 2 en mi bémol majeur, qui est une de mes pièces favorites. Thank you.
avancer vite parce que nous n'avons qu'une petite heure. Attendez, où est ma partition? Ou plutôt le texte. Nous allons maintenant prendre, nous allons emprunter une machine à explorer le temps et nous allons nous diriger vers l'Antiquité grecque. Il semblerait que cette petite mélodie que je vais vous jouer, qui est très courte, soit le plus ancien, la plus ancienne musique connue à ce jour. Elle a été découverte à la fin du 19e siècle à Thrales, en Asie mineure, ce qu'on appelle actuellement la Turquie, qui était auparavant la Grèce, jusqu'en 1453, lors de la prise de Constantinople par les Turcs. Et il se trouve qu'il a été découverte donc une pierre tombale qui était celle d'une dame, d'une personne qui s'appelait Euterpe, en grec Euterpi. Et on a retrouvé sur cette pierre tombale, en guise d'épitaphe, quelques mots qui ont été gravés à la demande d'un certain Sikylos. Sikylos était un poète lyrique et également un marchand, donc il se pourrait que cette dame fût son épouse. Et on a même pu déchiffrer de la musique qui était écrite donc avec les symboles de la musique de l'Antiquité grecque. Et j'aimerais vous jouer cette très courte mélodie que je vais enchaîner avec le fameux premier prélude du livre 1 du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé une correspondance entre l'Antiquité grecque et Bach. Vous savez que Pythagore, le grand philosophe, pour Pythagore, le mot « musique » signifiait absolument tout. La musique, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, tout. Et le mot « musique » provient du grec « moussiki », qui lui-même provient d'un autre mot grec « moussa », donc la muse. Vous savez, ces divinités qui étaient censées divertir les dieux et les déesses de l'Olympe, hein, sous la direction d'Apollo Musagète. Moussietis, Musagète, ça vient de Moussietis. Ietis, c'est celui qui dirige, le directeur des muses, Moussietis. Il y a même un ballet, je crois, de Stravinsky qui s'appelle Apollon Musagète. Et je vais donc vous jouer cette petite mélodie grecque et je vais enchaîner avec le prélude parce que les pythagoriciens, les disciples de Pythagore, étaient convaincus que chaque corps céleste dans son évolution dans l'espace, que ce soit les planètes ou les soleils, les étoiles, chaque corps céleste donc émet un son et ils appelaient cet ensemble de sons cosmiques l'harmonie des sphères. Et pour moi, ce prélude de Bach représente à la perfection l'harmonie des sphères pythagoriciennes. Thank you.
Je crois que le temps presse de plus en plus. Chopin avec sa sublime berceuse qu'il a composée peu avant sa mort. Et je vous dirai après pourquoi j'ai joué la berceuse de Chopin. Nous allons maintenant passer à la Première Guerre mondiale avec quatre pièces que j'ai choisies spécialement pour vous. Et nous allons commencer par une pièce d'un compositeur allemand, le fameux Max Reger. Et c'est un recueil qui s'appelle Träume am Kamin, Rêverie au coin du feu. Et j'ai choisi le numéro 12
parce que justement Max Reger, qui était un grand admirateur de Chopin, a composé cette petite pièce en pensant spécialement à cette berceuse de Chopin que je viens de vous jouer. Donc il utilise le même principe de la basse qui est obstinée, comme on dit, qui est ostinata, qui ne change pas de note ou de forme quasiment, avec des petites arabesques à la main droite. Et c'est tout à fait étonnant qu'il ait composé ce morceau d'une sérénité rare pendant la Première Guerre mondiale. On a l'impression qu'il dit à son empereur « Calme-toi un petit peu, mon coucou ». La deuxième pièce est britannique, donc il y aura un Allemand, un Britannique et deux Français. Frank Bridge. Elle s'appelle, le titre est Lament, Lamentation, et elle a été composée en 1915, juste après le torpillage, je devrais dire, du paquebot Lusitania qui avait été coulé par les Allemands. C'était un bateau britannique, un bateau, donc un bateau avec des passagers. Il contenait, je pense, 1200 personnes. Et il a dédié cette pièce à une petite fille qui s'appelait Catherine, qui avait 9 ans et qui se trouvait sur le Lusitania. En fait, le Lusitania devait être escorté par un bateau de guerre britannique, mais à la dernière minute, l'amiral de la flotte britannique, M. Fisher, ainsi que le premier lord à l'amirauté britannique, un certain Winston Churchill, avaient décidé tous les deux d'annuler cette escorte. Bon, maintenant, il y a eu un procès par la suite parce qu'on a prétendu que le bateau, et apparemment c'est vrai, qu'il y aurait eu des munitions et ça aurait excité l'ennemi pour envoyer un sous-marin, etc. Toujours est-il que cette belle pièce, Lamentation de Frank Bridge, 1879-1941, professeur de Benjamin Britten, eh bien, cette pièce est dédiée à cette petite fille de 9 ans qui s'appelait Catherine. Et le bateau
bateau avait été coulé le 7 mai 1915. Maintenant, les deux pièces françaises. Alors, la première est de Saint-Saëns et c'est un chant héroïque de la Grande Guerre qui s'appelle La Française. Je vais vous lire les premières paroles. Qui donc parlait de décadence et de Français trop oublieux? Les hommes de la jeune France ont surpassé tous leurs aïeux. Par ses ennemis condamnés, quand la France poussait à bout vers le pays, s'est retournée. Elle a vu le pays debout. En avant contre la traîtrise des bandits sans honneur, sans foi, les alliés ont pour devise la justice et le droit. Et c'est une musique donc de Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, sur des paroles de Miguel Zamacois. Et je vais enchaîner avec une très très belle pièce que je considère personnellement comme un véritable chef-d'œuvre. C'est l'un des préludes composés par le grand Louis Vierne. Vous savez, Louis Vierne qui a écrit énormément pour l'orgue et
que tous les organistes connaissent, mais on connaît très très peu sa musique pour piano. En pleine Première Guerre mondiale, il a écrit son opus 38, c'est-à-dire une douzaine de préludes, et je vais vous jouer le numéro 12 qui est intitulé « Seul », avec trois petits points. Thank you.
Merci. Nous allons terminer avec le final du concerto L'Empereur de Beethoven dans une version que j'ai effectuée pour piano seul. Thank you.